j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir ensemble le contenu de la Beautiful Box du mois d'août. Alors j'ai un petit peu hésité à vous faire la vidéo puisqu'on est quand même déjà pas mal engagé dans le mois. Mais je la trouve exceptionnelle ce mois-ci, je vais vous la montrer. Et surtout j'ai vu sur le site de la Beautiful Box qu'il y avait deux offres, dont une qui est très intéressante. Et je me suis dit qu'en fait il fallait que je vous partage la... l'offre et le bon plan que j'ai aussi pour vous. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va parler de l'offre que j'ai trouvée tout de suite et après on découvrira le contenu, comme ça vous voyez si ça peut vous intéresser ou pas. À savoir que la Beautiful Box, donc c'est une box avec que des produits full size, mais on peut la trouver à plusieurs tarifs et c'est ça qui est un petit peu embêtant avec la Beautiful Box. Ça va, donc son tarif standard, on va dire normal, c'est 39,90€ par mois, sachant qu'il y a toujours plus de 100€, des fois même 150€ de produits à l'intérieur, donc elle vaut vraiment le coup en fait. Mais on peut avoir des bons plans avec les offres qu'ils proposent sur le site, et notamment quand vous vous désabonnez après, ils vous proposent aussi des tarifs super intéressants. À un moment donné j'avais la box à 19,90€, donc voilà, ça peut être vraiment cool. Là sur le site il y a deux offres disponibles, dont une sans engagement. Moi personnellement c'est celle que j'aurais choisie, et franchement vu le contenu de cette box, je pense que je vais peut-être craquer puisque c'est vraiment intéressant. Donc là, pour le prix d'une box, vous avez 5 routines, donc 5 box. Les box qui sont proposées dans l'offre, c'est la box du mois de juillet et 3 box best-of en fait. Donc je pense qu'ils reprennent les produits phares qu'on a eu dans les box précédentes pour les mettre en best-of. Et ils ont fait ça. Donc je vous ai déjà montré des routines best-of comme ça, où en fait c'est une boîte qui est un petit peu plus grosse. J'ai la boîte de la dernière fois qui est vraiment un petit peu plus grosse, et en fait à l'intérieur vous avez 3 routines, une pour le visage, une pour le corps et une make-up, et vous avez 3 produits dans chaque routine. Donc là je pense que c'est ça, quand ils disent best-of, je pense que c'est des produits qu'on a déjà eu dans la box mais qui sont cool. Donc là il y a ça plus la box du mois d'août pour 29,90€. Donc ça vaut vraiment le coup puisque ça fait déjà une remise sur la box en elle-même, et puis en plus vous avez des box gratuites. Donc je la trouve hyper cool puisque c'est sans engagement, vous prenez, vous recevez toutes les box d'un coup. Il est noté sous une semaine, c'est en règle générale ce qui se passe, peut-être compter plus 10 jours, mais voilà, c'est hyper rapide, vous recevez tout d'un coup. Et vraiment là ça vaut le coup puisqu'à l'intérieur ils nous disent qu'il y a 315€ de produits pour 29,90€. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est directement sur le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et la petite astuce que moi j'utilise aussi, c'est Wanted, puisque sur Wanted on peut récupérer jusqu'à 9,90€ de cashback. Donc ça vous fait la box pour 20€ avec 315€ de produits. Pareil, je vous mets le lien Wanted en barre d'infos puisqu'avec mon lien vous avez également 3€ dès l'inscription. Et je vous prépare très vite dans les prochains jours la vidéo de comment on utilise Wanted, enfin comment moi je l'utilise, comment on l'installe et tout ça. Comme ça vous ne serez pas perdus puisque je vais quand même pas mal en parler pendant la série calendrier de l'Avent. Et sinon la deuxième offre qui est aussi très intéressante, mais là c'est avec un engagement d'un an, c'est 6 box pour 13€. Donc voilà, vous avez la box de juillet, une box avec des produits au caviar, le même best-of, plus la box du mois d'août. Donc là pour 13€. Et après, non, c'est un engagement de 3 mois, donc ça va, ça vaut le coup aussi, puisque bah, 3 mois ça passe quand même relativement vite. Et après, les box, elles sont à 39,90€, voilà. Donc elles sont quand même un peu plus chères. Mais voilà, 39,90€, ça reste encore raisonnable. Désolée pour la batterie faible. Et dans la deuxième offre, il y a 519€ de produits. Et c'est pareil, vous pouvez utiliser le lien ou en tête pour récupérer le cashback. Donc voilà, je voulais vous parler de ces offres-là puisque ça peut être intéressant. Et maintenant, on va découvrir le contenu de la box tout de suite. Donc le thème ce mois-ci c'était le tour du monde. Donc on a comme d'hab la petite carte avec le produit réservé aux abonnés le mois prochain, donc au mois de septembre. Ça sera un parfum solide rechargeable, donc je pense que ça doit être le même. Ça me parle en fait
On l'a reçu dans le calendrier de l'Avent. Il sent hyper bon. Je l'utilise de temps en temps. Moi, je l'ai laissé au travail pour me donner un petit coup de frais au travail. Mais il sent super bon. Je sais pas si c'est le même, si c'est le même parfum. Mais en tout cas, c'est hyper pratique les petits formats comme ça. Moi, je sais que je l'ai laissé sur mon bureau. Et de temps en temps, je le mets au travail. Donc, comme d'habitude, on a le jeu de cartes qui nous indique le prix et du coup, comment utiliser le produit, si on veut le racheter, où est-ce qu'on peut le trouver, la composition des produits et tout ça. Donc elles sont hyper bien faites. Et quand vous prenez un abonnement, comme moi je l'ai eu d'ailleurs, la petite boîte, vous avez une toute petite boîte en fait pour ranger toutes vos cartes à l'intérieur. Moi ce que je fais c'est qu'en fait dans mes tiroirs où je stocke mes produits, je laisse les cartes qui vont avec. Et puis en fait, une fois qu'on a utilisé les produits, on sait comment on les utilise. Hein, mais voilà, il y a certaines cartes qui ne servent pas, mais c'est plutôt cool, je les trouve plutôt bien faites. Donc on commence avec le premier produit et c'est un dentifrice blancheur à la menthe de la marque Monsieur et Madame Barbie. Alors cette marque-là, il ne me semble pas la connaître, ça ne me parle pas. Il vaut 7,90€, au niveau de la note INSI c'est 97,5, donc c'est plutôt bon. Et ben voilà, c'est un dentifrice comme ça, la menthe poivrée. On a un format qui est quand même classique, hein, j'ai envie de dire, on a 50ml à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool de pouvoir tester des dentifrices un petit peu plus bonnes compo. Moi je sais que j'utilise un Colgate, je pense pas que ce soit l'hyper bonne compo. Moi j'ai du mal puisque j'ai des gencives hyper sensibles, donc je peux pas utiliser n'importe quoi, mais pourquoi pas, je le testerai. Celui-ci c'est pour l'éclat des dents, donc écoutez, un dentifrice blancheur, pourquoi pas tester. Donc c'est le produit qui me plaisait le moins dans la box. Ensuite on a un produit Garantia. Alors les produits Garantia à chaque fois ils sont ouf. Moi je sais qu'il y en a deux ou trois que j'ai utilisé, j'ai vraiment vu des effets. Là c'est une brume pour le visage hydratante. On a un super beau format, c'est vraiment un gros produit. La brume est au prix de 9,90€ et au niveau de la composition on est à 100%. Donc moi je sais que les brumes comme ça je les utilise plutôt le matin en fait avant de me maquiller pour me réveiller et je ne me lave pas le visage le matin. J'agresse pas ma peau dès le réveil comme ça parce que voilà, les produits je les trouve toujours un petit peu agressifs, même si j'utilise des produits qui sont adaptés à ma peau. Je préfère me faire un bon nettoyage le soir et le matin me passer plutôt une lotion et pourquoi pas une petite brume comme ça pour hydrater tout ça. Donc très très cool, on a un super beau format, on a 200ml et franchement les produits garantis à chaque fois ils sont top. Donc ça vaut vraiment le coup de les tester. Moi mon produit préféré c'est la sulfureuse pâte du marabout. Ensuite autre produit, on a un masque pour les cheveux démêlants. Celui-ci est au prix de 25,90€. C'est la marque Mine Air All. Donc ça c'est pareil, je connais pas. Le produit est vegan apparemment. Il est noté 95,6 et on a 75ml à l'intérieur. Donc ça c'est cool, moi j'utilise un masque à chaque fois puisque moi j'ai les cheveux fins et c'est vrai qu'ils s'en mêlent très très facilement mes cheveux. Quand je les lave, il faut forcément que je mette un démêlant ou un masque en tout cas pour pouvoir les démêler facilement. Parce qu'en plus j'en perds beaucoup, donc si je commence à vouloir démêler des nœuds c'est foutu. Donc là trop cool, j'espère qu'il sent bon, j'aime bien les produits cheveux qui restent un petit peu sur les cheveux. C'est vrai que les masques ont tendance à sentir un petit peu plus fort que les shampoings, donc ça c'est plutôt cool. Je connais pas du tout cette marque. Au niveau des ingrédients il n'y a vraiment pas grand chose, vous voyez, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, il y a juste ça, donc je trouve que c'est plutôt correct. À tester, je vous dirai ce que j'en ai pensé dans les produits terminés. D'ailleurs, les produits terminés vont arriver très très vite. J'ai une tonne de produits où j'aimerais vous parler parce que j'ai fait vraiment des belles découvertes.
Autre produit que j'utilise mais tout le temps, c'est une huile de coco. Donc moi l'huile de coco je l'utilise pour me démaquiller, je la trouve top l'huile de coco. Après c'est vrai que les premières fois on l'utilise, ça laisse un film un petit voile en fait sur les yeux, mais ça part au bout de 5-6 minutes et au fur et à mesure des utilisations on l'a plus du tout. Donc moi je sais que l'huile de coco j'adore ça. Donc là la moitié liquide, la moitié solide, c'est l'huile de coco se solidifie en fait avec le froid et bah, se liquifie avec la chaleur. Donc ça c'est cool. En plus le format en spray comme ça peut être bien. Là ils nous disent qu'on peut l'utiliser sur le corps, sur les cheveux. Moi j'ai déjà fait des bains d'huile en fait sur les cheveux. Vous mettez de l'huile de coco surtout sur vos pointes le jour où vous allez vous laver les cheveux. Vous laissez poser ça au moins une demi-heure et puis après vous rincez. C'est hyper efficace, c'est très très hydratant en fait l'huile de coco. Donc celle-ci c'est de la marque Pura Bali, ils nous disent 18 euros. Donc je pense quand même que vous pouvez trouver moins cher au niveau de l'huile de coco. C'est vrai qu'il faut prendre de la bio, surtout si vous l'utilisez sur le visage pour vous démaquiller. Mais on peut trouver quand même moins cher que... Là je trouve que 18 euros c'est quand même relativement cher pour... on a combien? On a 50 ml. Moi j'ai eu acheté un dépôt beaucoup moins cher que ça, mais ça vous permet en même temps de tester si ça vous plaît le démaquillage à l'huile. Moi je sais que je n'utilise plus que ça. Et voilà pour ce produit. Ensuite, autre produit que je trouve indispensable en été, c'est une crème pour les pieds. Alors, je sais pas vous, mais moi, l'été, j'ai les pieds mais fusillés. Je suis obligée de me mettre de la crème sur les pieds tous les soirs avant de me coucher. Donc là, c'est trop cool. Surtout que j'utilise pas mal de crème en ce moment. Et j'ai vraiment liquidé mon stock. Donc celle-ci c'est de la marque Olala Fresh Cosmetics, c'est pareil je connais pas cette marque là, c'est à l'aloe vera, donc l'aloe vera c'est bien, c'est hyper hydratant, donc je pense qu'elle peut être très très efficace. Elle a une valeur de 14 euros et on a 50 ml à l'intérieur, donc trop cool, moi je sais que c'est un indispensable l'été, donc elle va grave me servir. Et dernier produit de cette box, c'est le produit réservé aux abonnés, donc si vous prenez la box, l'offre dont je vous parlais tout à l'heure, je ne pense pas que vous aurez ce produit. Des fois, ils se trompent, ils envoient la box avec le produit, donc tant mieux. Mais voilà, peut-être que vous n'aurez pas celui-ci. C'est un soin apaisant après piqûre de moustique. Ça, c'est trop cool. C'est la marque Aquateal. Ça a une valeur de 10 euros. On a 10 ml à l'intérieur du produit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on avait reçu un roll-on pour les piqûres de moustiques comme ça, et franchement il me sert encore cette année, il est exceptionnel. J'essaierai de vous trouver un lien de ce produit là, je vous en avais parlé, il me semble que c'était en live que j'avais fait l'ouverture de la box, et vraiment il est hyper efficace. Vous mettez ça sur le bouton quand ça vous gratte, mais 5 minutes après vous avez oublié que vous aviez un bouton, c'est un truc de fou. Donc je testerai celui là pour voir si c'est aussi efficace. Mais en tout cas, ce genre de produit, c'est indispensable en été parce que les moustiques, mais c'est un truc de fou, ces bestioles. Et là, je sais que nous, en ce moment, on en a pas mal puisqu'il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Donc ça, c'est un temps pour les moustiques qu'ils adorent. Donc je testerai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas, je vous mettrai également le produit de l'année dernière en barre d'infos si vous voulez le retrouver parce qu'il est vraiment génial. Donc voilà pour le contenu de la box du mois d'août. Personnellement, je la trouve très réussie. Je trouve que les produits sont vraiment bien choisis, correspondent vraiment à la saison. Le produit qui me fait peut-être un petit peu moins rêver, on va pas se mentir, c'est le dentifrice, mais c'est un produit utile, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box. Je la trouve vraiment très réussie pour une box d'été. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein plein de bisous. À bientôt !